Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto et ce sera ATC avec ce die-ci de chez Globeland et le fond ici. Vous savez, il y a encore celui-ci, donc on va voir si on en prend une deuxième avec celui-là. Et vous avez celui-ci également, mais celui-ci, c'est pas pour faire les ATC, c'est plus pour les cartes. Du coup, on va faire ça. Du coup, pour commencer, on va prendre la distress photo. Et je vais ancrer, enfin je vais vieillir tout au moins mon papier de ce côté-là, parce que l'autre il est un peu, comment dire, il est... Il est texturé, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, il est texturé. Et si je veux texturer, je passe dans un classeur embossé. Là, pour le coup, j'ai pas envie d'avoir du truc texturé. Quoique. Quoique, quoique, quoique. On va prendre ces deux parties-là. Du coup, il y en a assez pour le moment. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on va prendre un tampon. Alors, on va peut-être prendre les fleurs de bananier ou les marguerites. Là, j'aime bien les marguerites. On va prendre, bon, on va en prendre, vous savez quoi, on va en prendre une de, les deux que j'aime bien là. Hop, on va sortir la planche, la tamponnage, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Je cherche alors qu'elle est juste là sous mon nez, hein, logique. Hop. J'en profite, que je vais plutôt bien pour le moment. Donc voilà, ça va pas être comme ça tout le temps. Donc on en profite à mort. Hein. Quand ça arrive, on en profite. On en profite vraiment. Alors, je vais prendre les marguerites qu'il y a là. Hop. Et je vais prendre les autres fleurs à côté. J'ai pas envie de faire autre chose que des fleurs. Hop. Hop et hop, hop, on va faire ça. Du coup, celle-ci, je l'avais collée sur le plastique, donc ça risquait pas de rester sur le dessus, n'est-ce pas? Voilà. Allez. Du coup, je prends la Versafine. Je vais tamponner. Après, si c'est pas assez, je remettrai de la Versafine. Vous voyez, moi, elle est cassée, mais c'est pas très grave. Hein. Je vais remettre un bout de scotch. Faut que j'y pense. En plus, je suis en plein dans les colis là de Vinted. Va voir que je me recommande une Versafine aussi, parce que la mienne a commencé à en avoir marre. Alors, je sais pas. Je pense peut-être qu'ils vendent des recharges, parce que j'ai pas envie de racheter le pad. Peut-être juste la recharge Versafine, ce serait plutôt pas mal. Voilà, bon, ça on est bien. On va nettoyer les tampons tout de suite. Je vais pas faire comme je fais d'habitude, de dire ouais, je vais attendre, j'ai les nettoyer tout à l'heure. Non, 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 non. On le fait de suite, parce que sinon, je le ferai jamais. Et je me retrouve avec des tampons cracra. Parce que voilà, je nettoie pas à fur et à mesure, et c'est de ma faute. Donc voilà, ça c'est bon. Vous avez vu mon aimant, il s'est cassé en deux. Alors celle-là, elle est bonne, tiens. Bon, bah c'est pas grave. Je vais les recoller. Hop, ça me fera quatre aimants au lieu de deux, n'est-ce pas? Alors. Les marguerites, c'est ici. Et ces fleurs-là, c'est ici. Voilà. Ensuite, on va prendre ça. Je vais pas le détacher. Je pourrais, mais j'ai pas envie. On va mettre ça comme ça.
on va mettre un bout de scotch. Hop. Et le deuxième. Bon, on va faire celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ce que ça donne quand ça va être coupé. En fait, c'est surtout ça le truc. Parce que du coup, je ne sais pas. Ça va être la surprise. Hein. Ça se trouve, je fais un truc et ça va même pas aller. Donc, on verra bien. Alors, ici. Ouais, mais voyez, ça va pas aller pour ce que je veux faire. Parce que je ne l'ai pas écarté assez. On va faire quand même. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors, bien récupérer les morceaux, puisque le but, c'est ça. Hein. Hop. On va prendre les plaques de Gemini. J'en ai à chaque fois, j'en prends une de trop. Je vois pas l'intérêt d'en prendre autant. Ça, ça va là. Et ça, du coup. Voilà. Et voilà. C'est parti. On entend bien le... Le crac, 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 crac. Ça, je vais laisser, je vais les remettre dans celui-là. Faut que je les range parce que de toute manière j'ai commencé à faire des rangements avec les fameux hop hop et hop et hop les fameux albums photos de chez Action. Je garde tout, je jette rien puisque je vais venir coller un peu comme mes cartes. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Désolé, je tousse encore. Pourtant, ça va nettement mieux, hein, je vous jure. On va couper ça. Hop, on va couper ça comme ça pour le moment. Les bouts de washi à coller sur la colonne de l'ordi. Parce que du coup, je réutilise les mêmes à chaque fois. Ça évite de jeter. Alors ça, ça, je ne vais pas les utiliser, mais je vais les garder. Sur ma première ATC. Hop. Alors, un ciseau. Parce que du coup, ça c'est bon. Du coup, j'ai tout machiné. C'est bon. Ça. Hop. Parce que ça n'avait pas coupé. Et du coup, on va coller ce morceau. D'ATC sur la première ATC. Donc pour rappel, l'ATC c'est 8,9 sur 6,4. Voilà. Donc moi ce que j'ai envie de faire avant coller, c'est faire ça. Parce que moi j'aime bien couper. Mais quoi? Avec toujours la perfaut de chez Action. Alors on va venir coller ça. Du coup, on va prendre. Ceci, je sais pas si j'ai assez de colle là-dedans. Non, il faut que j'en remette. Donc, on va le reboucher pour le moment. On va prendre celle-ci. Hop. Et c'est parti. Alors, je trempe parce que la découpe est très, très fine. Donc, c'est pour éviter. Alors, des fois, vous allez avoir des variations de couleurs. C'est parce que je suis sur le PC déjà dans le même temps. Je sais pas si vous les voyez. Mais il repasse en pause. Des fois, quand je remue le bureau, l'écran se rallume. C'est du grand n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, on va coller ça ici. Je ne sais pas si je vais l'avoir collé dans le bon sens, mais après, on verra en fonction de comment il va être... De toute façon, je peux la retourner. Hein. Si j'en ai envie, je peux vraiment la retourner. Donc, c'est pas bien gênant. Voilà. On va prendre
un bloc acrylique pour appuyer. Voilà. Ensuite, du coup, on va essayer de remonter mon pulse là. J'espère que je ne l'ai pas collé à l'envers. Non, comme ça. Voilà. De toute façon, je ne pouvais pas. Il n'était pas tamponné de l'autre côté. Donc, n'importe quoi, je n'aurais pas pu le mettre à l'envers. Je suis bête. Hein. Hop. Je le positionne et je les colle après. Hop. Pour être sûr de ne pas me tromper, en fait. Après, j'aurais pu embosser à chaud les fleurs. Ça aurait rendu bien aussi, également. Hop, c'est un vrai pulse. Voilà. Comme ceci. Et... comme ceci. Et moi, j'ai gardé les autres morceaux, ceux-là, pour refaire. Ben, je pourrais les coller sur une création. Ça me fera des embellissements que je pourrais utiliser plus tard. Du coup, oui, j'ai pas séparé. J'ai pas séparé le dice. Ok, je suis revenue. Est-ce que j'ai mis mes mousses 3D quelque part ici? Ouais, là. Alors, j'ai des ronds, mais en fait, moi, j'utilise tout. Je jette rien. Donc, voilà. Je suis hyper, pas économique, mais quand même. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et vous collez votre morceau. Donc vous essayez tant bien que mal de bien le centrer de façon à avoir du bord noir de chaque côté. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Quoique, non, vous savez quoi, on va le coller directement à ras de la carte parce que je voudrais rajouter des trucs et si je mets de la mousse 3D, je pourrais pas rajouter des trucs dessus. Donc on va pas mettre de mousse 3D là-dessus, mais on en mettra sur autre chose. Du coup, on va coller directement à même la carte. Je préfère. Parce que comme je veux rajouter des trucs, des embellissements dessus et tout, des fleurs, des machins, des trucs, oh! Je mets de la 3D tout de suite, je pourrais pas rajouter de trucs après, ça fera pas joli. Alors que là, ça fait plutôt sympa. Je me demandais ce qu'il faisait. Mais en fait, c'est le fauteuil qui collait au tiroir et du coup comme ça frotte ça fait des petits bruits bizarres. Ah, j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. On va faire. Je vais regarder ce que je peux coller là-dedans, mais qu'il soit dans le. Hop. Il faut, par contre, si je mets ça, il faudra que j'encre les bords parce que sinon ça fera moche. Parce que vous voyez, le bord il est blanc. Et là, il n'y a rien qui va. Donc, je garde le papillon parce que lui, il me plaît. Le reste, ça va pas. Donc, je vais aller piocher. Vous voyez, vous pouvez mettre encore même un qui ressort plus, quoi. Mais là, on est bien dans les teintes. Donc, je vais même prendre le deuxième pour la deuxième ATC. Je ne sais pas si on la fera en vidéo, par contre, parce que on est déjà à 15 minutes juste pour une ATC. Vous vous rendez compte? Alors...
J'ai pris mes décos de pour, vous savez, le journaling que j'adore faire. Donc, je vais essayer de trouver une petite étiquette sympa. J'ai découpé un truc là-dedans. Ça, c'est trop grand, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je fouille, hein, je fouille, je fouille. Ça, je vais mettre ah, peut-être plus celle-là. Ensuite, je regarde ce que j'ai. Parce que j'en ai plein des trucs pour le art journal, le journaling. Et je vais même encore repasser une commande sur Chine. Donc, je vais en avoir plein. J'adore ça, j'adore ça. Donc, voilà. Ouais, on va coller un bout comme ça ici. On va mettre le papillon ici, l'étiquette là, en découpant un peu ce qui dépasse, ce qui est logique puisque sinon ça fera pas beau. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? Je regarde ce que j'ai, je dois encore avoir plein de trucs. J'ai des stickers, mais là c'est des champignons, ça va pas trop aller. Ah bah c'est ma boîte de stickers champignons qui s'est vidée dans le truc, ok. Ça c'est quoi? Champignons encore. Champignons, champignons. Ça c'est quoi? Ça c'est du papier encore. Ok. Je regarde si j'ai pas d'autres stickers. Stickers, stickers. Là, je dois avoir des fleurs. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le papillon et j'aimerais y mettre une fleur en fait. C'est trop rouge. Voilà, on va mettre ça, ça. Le papillon au-dessus avec de la mousse 3D. Ça va rendre bien. Ça va rendre très très bien. Là, j'ai pas de stickers. Ouais, ben on va mettre ça déjà. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un bout. On va couper ça. Un demi cercle comme ceci. Voilà. On va le vieillir. Hein, sinon, ce ne sera pas cohérent. Voilà, je viens le coller. Ah, passe ton trou. N'importe quoi. Hop, 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 hop. Je repasserai un coup d'encre dessus après. Là, je veux déjà le positionner comme ça. Voilà. Hop. Hop, je coupe ce qui dépasse. Hop. Ensuite, j'ai dit que je voulais y mettre la fleur. Alors, on n'est pas obligé de la mettre complète.
parce que du coup ça mange l'ATC. Hop. Pour le moment, je n'ai pas jeté ce morceau. On ne sait jamais. Et on va venir y coller le papillon. En mousse. Comme ça, voilà, et on va y mettre l'étiquette comme ceci, voilà. Regardez. C'est joli, hein. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc ce sera les fleurs dans tout les fleurs dans tous ses états. La fleur dans tous ses états. Voilà, ce sera ça. Donc maintenant on va faire celle-ci. Alors, pour être honnête, je ne vais pas le mettre le cadre, mais je vais le coller vite fait, juste pour positionner l'intérieur. Hop. Le coup, on va prendre les dies ATC comme ça. Je vais prendre ça. Du papier, du coup, là, là, c'est les mesures de la TC, parce que j'avais complètement zappé la taille. Du coup, on va tamponner ça deux fois.
Mais ouais, ma distress, faut que je l'arrache, j'en rachète une parce que je crois qu'elle commence à sécher. Donc là, j'ai un peu les boules là, parce que je l'utilise énormément. Et normalement, elle est censée avoir un pigment très, 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 très foncé. Et là, pour le coup, je trouve pas. Donc, ou alors, c'est moi, c'est mes yeux. Hein. C'est peut-être mes yeux. En fait, finalement, c'est pas si moche. Hein. Voilà, on va couper ça. Déjà, je nettoie le tampon. Voilà, nickel. On le remet sur son... non. Sur son plastique. Hop. On remet là sur le côté. Hop, 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 hop. On va couper ça. Et on va le coller ben, derrière, du coup. Hein, c'est top. Hein. Du coup, c'est plus pratique, en fait. Hein. Soyons clairs. Hop. On va faire ça comme ça. Parce que ça, c'est des coups. Poser le deuxième aussi. Après, j'aurais pu couper à la taille de la TC, mais ça m'intéressait pas. Je vais faire comme ça. Hop. Et hop. Et. Par contre, il faut prendre un terme tout fin pour écrire parce que alors, moi avec mon écriture qui est énorme moi j'écris gros, enfin j'écris gros, je me comprends, j'écris quand même assez grand et du coup faut que je trouve un stylo plus fin. Voilà, celui-là il a l'air d'être pas mal. Yes, alors titre les papillons en folie. Du coup, artiste, ma pile ou scrap. Contact, je le mettrai plus tard. Ben, je peux mettre mon adresse mail finalement. La date, on est le 8. Je mettrai ça plus tard. 3-2023. Et c'est la numéro 1 sur 2. Rebelote, les papillons. En folie. Artiste Pilou. Scrap. Date 8-3-2023. Et on est sur la 2 sur 2. Voilà. Et on va coller derrière. Et nos petites ATC seront terminées. Alors, dans le bol comme ça, ce serait pas mal. Voilà. Et celle-ci, c'est comme ça. Du coup, on peut la coller dans n'importe quel sens, le problème ne se posera pas. Nickel. Voilà. Et du coup, voilà mes deux ATC faites avec... Les dice de chez Globeland, ceux-là, voilà. Et les tampons ATC qui sont là. Et les tampons fond qui sont ici. Et du coup, franchement, c'est plutôt pas mal réussi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup regarder. Celle-ci, elle est plutôt rigolote. Je vais remettre mon tube là, voilà. Et vous avez celle-ci aussi qui est plutôt sympa. Du coup, voilà. Ben écoutez, si vous voulez recevoir mes ATC, donc je ne commenterai pas
en dessous. Je vous mettrai des cœurs quand j'aurai vu le commentaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer deux personnes dans les commentaires pour à récupérer ces deux ATC. D'accord ? Je ne vais pas les garder, je vais vous les envoyer. Du coup, mettez-moi un commentaire en dessous en disant « je participe » et je vous enverrai à chacune, donc deux personnes que je tirerai au sort sur Internet. Donc, je vais mettre cette vidéo. On est quand aujourd'hui? Donc, je vais mettre ça. Celle-là, je vais la mettre, je ne sais pas quand. Donc, quand je vais la mettre... D'accord, quand je vais la mettre, vous aurez, du coup, si je la mets, je vais la mettre samedi, je vais la mettre samedi, donc samedi, samedi, vous aurez jusqu'à mercredi pour marquer je participe en dessous de la vidéo, d'accord? Bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.